il faut juste que je me rappelle où on en était. Alors attendez, je fais juste un. Hop. Purée, demain ça va être le bazar. Dire que je dois aller à Paris, genre j'ai vraiment peur. Oh, je me dis avec le climat actuel et tout, ça doit être ça doit pas être marrant d'être dans les rues de Paris en ce moment. Oh punaise. Ouais, le soir, ça doit être un peu compliqué dos. Imagine, tu te promènes là, tranquille, puis bam! Une smoke d'un policier qui tombe sur la tête. Bon alors, les gars. Voyons voir nos objectifs. Je me suis mise là, mais j'aurais peut-être pu me mettre ailleurs. Ouais, avant 18h, ça va, mais du coup... Ouais, c'est encore des manifestations. Ah bah oui, là, ça... Ah bah là, c'est... ça n'arrête pas, oui. Ouais. Ça n'arrête pas. Seul un bureau très spécial peut graver la rune de passage de Jotunheim. Ah oui. Donc on avait... On s'était arrêté à une step quand même assez importante. Je crois que je vais me mettre en bas, c'est peut-être mieux. Hop. Le serpent dit que pour atteindre le véritable sommet le plus haut... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Il nous faut deux choses. La rune de passage secrète de Jotunheim et un morceau du burin magique pour la graver. Tout d'abord, nous embarquons pour trouver le burin. C'est vrai qu'en fait, il faut qu'on enterre les cendres de la femme de Kratos qui est malheureusement décédée. Il fallait qu'on l'enterre en haut d'une montagne, d'une très très haute montagne. Et en fait... On s'est rendu compte que c'était pas la montagne la plus haute. Alors qu'elle a demandé à être enterrée à la montagne la plus haute. Donc au final, il faut qu'on aille à la vraie montagne la plus haute qui se trouve pas du tout là où on est. Évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Bonjour, Nella Pay. Bonsoir. C'est vraiment PUBG dans la vraie vie. Ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas qu'on devrait déranger Jormungandr sans raison. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mec. Il y a la tête du mec là, ma ceinture. Oh punaise. J'avais zappé cette histoire. Alors attendez, carte. Wait a minute, faut que j'aille où là, du coup? Attendez. J'imagine qu'il faut que j'aille là, le voyage. Attendez, est-ce qu'on est au bon endroit? Non, fallait aller dans l'autre sens, non? Oui, c'est là-bas. Let's go! Tu en es à combien niveau pourcentage? J'en ai vraiment aucune idée. On en est loin encore, je pense. Demain, je verrai ce que je fais. J'ai trop envie de commencer un nouveau let's play. Il y a un petit jeu qui est sorti là qui s'appelle Tcha. Et ça a l'air trop miams. Ah, ça y est, je peux les lire. Mais c'est un nom. R. Wow, le nom l'a allumé. C'est le nom d'une Valkyrie. C'est très curieux. Ok. Mince. Abandonner tête de proue trouvée. Alors, voyons voir ça. En explorant le lac des Neufs, nous avons trouvé cette superbe tête de proue. C'est peut-être le dernier vestige d'un bateau qui voguait autrefois vers de grandes aventures. Je me demande s'il y en a d'autres au milieu des épaves sur ces plages. Brock nous les échangerait peut-être contre de l'argent. Mince, on peut pas... Pourquoi on peut pas y aller là? On peut pas rentrer.
Pourquoi? Carte. Ah, mais il faut peut-être... Attendez. Ce jeu, c'est une pépite, oui. On va aller à l'intérieur et puis on va voir. Ça n'est pas encore dispo? Si, si, c'est dispo. Ici, on m'a filé une clé, donc je vais peut-être commencer demain, je vais voir. T'as dégoté cet alchimiste que je t'avais dit de trouver? Non, pas du tout. Oh, punaise, il y a plein de trucs. Alors, oula. Ressources insuffisantes, très bien. Mais purée, mais il y a plein de trucs. Ça, c'est quoi? C'est du stuff légendaire, niveau 4. Ok. Ok. Bon, j'ai que des ressources insuffisantes. Bon, de toute manière, je ne peux rien prendre. Comme ça, c'est rapide. Ah! Attaque runique rapide de la hache. Onde de choc radial rapide qui ralentit les ennemis et les projette en arrière. Ok. Souffle de Tamur. Les enchantements, on n'a pas ce qu'il faut non plus. Et les ressources. Ah, une unité d'acier ou de Svartalfheim. Ça permet d'améliorer certains trucs dont l'arc serre. Alors attendez. L'arc serre, qu'est-ce qu'il faut? Acier massif de Svartalfheim, c'est bon, on a 5 sur 5. Il faut de l'argent maintenant. On n'a pas assez d'argent! Plus de Twitch Rivals! Une de passage requise pour accéder au royaume. Royaume disponible. Dites-moi comment t'as commencé avec Baldur. Il est venu frapper à notre porte. Baldur d'Asgard a simplement frappé à votre porte? Oui. Il est arrivé et il a provoqué Ber. Il a dit qu'il voulait savoir quelque chose. Il a dit... Je sais ce que tu es. Oh, bon, on y reviendra plus tard. Et qu'est-ce qu'il voulait, juste? J'étais caché sous le coucher. Il a dit que je savais ce qu'il voulait. Il m'a peut-être pris pour un autre. C'est intéressant. Ok. Bonjour Twisty, bonjour, bonjour Lab. Oui, j'aime trop God of War. C'est trop trop bien. Merci Norla pour les 15 mois et Aldo, merci beaucoup encore. Bien sûr, ouais. Bonsoir petit Matt. Bonjour à ceux que j'ai loupés, je sais plus qui j'ai loupé. Bonjour Mestriki, hello. Est-ce que théoriquement... Oula. Waouh, il fait chaud ici. Mais est-ce que c'est de la neige? Des cendres, comme seuls en produisent les grands feux. Le royaume tout entier est un grand feu. La source même du feu et du soleil et des étoiles, si on en croit la légende. Il faut y croire. Enfin, on est là, et on ne brûle pas. Pas encore. Eh bien oui, cela s'est sans doute refroidi depuis l'aube de la création. Niflheim n'est plus aussi froid non plus de nos jours. C'est dans l'ordre des choses. Les extrêmes s'érodent au fil du temps. Les flammes deviennent braises, les cheveux deviennent gris, les têtes tombent et ornent les ceintures. C'est la vie. D'accord, Mimir. Donc, est-ce qu'on est bien... Alors, attendez, carte. Est-ce que c'est bien là qu'il fallait aller, les gars?
pour l'histoire principale, non. Bah ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce que je fiche là? Qu'est-ce que je fiche ici? Bah c'est pas grave, on va y aller quand même, hein. Merci Kingsman pour le sponsor de main avec Prime. Merci beaucoup! Merci! Incroyable! Mais attends. Et du coup, ça avait 5 ans? Merci beaucoup, Kingsman! Oh la vache! Ah oui, bah oui, déjà 5 ans que je suis un baleineau, le temps passe vite. Pour le contenu de tes streams et de tes vidéos sur YouTube, bonne continuité, merci. Merci, Kingsman, c'est trop gentil. Merci à toi. Il y a juste des défis. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que je fiche là? Je sais pas ce que je fiche là. Hein. C'est pas grave, on y va quand même. Hein. On va voir ce que c'est. Par contre, si c'est des défis, vu comment je m'en sors à la manette en ce moment... Oh! Zone secrète découverte. Mais non. Tu dois aimer la chaleur, Brock. La chaleur est indispensable dans ma branche. Elle aide même à plier l'espace. Ces portes magiques que vous aimez tant ici, elles mènent toutes les unes aux autres, parole de Brock. Allez-y et essayez, vous verrez. Traverser Muspel est une vraie promenade de santé, si vous finissez pas rôti. Oh, j'ai failli oublier. Brock, voici notre nouvelle amie Mimir. On se connaît. Connaît. Oh, pourquoi tu l'as pas dit? Demande-lui. Me demander? Parle pour parle toi. Pour toi. Silence. Ça suffit, vous deux. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. Allez, au travail. Très bien. Je les trouve rigolos, les deux. Ils sont marrants. Bon, alors, vraiment, je pense que j'ai rien à faire là. On va pas se mentir. Je n'ai rien à faire ici. Talisman, qu'est-ce qu'on a? Braise de Sinmara. Bon, de toute façon, j'ai rien pour cracher. Je force la main à personne. On va retourner à la casa, hein. On va retourner là où on était avant, parce que ça va pas du tout. Ah. Qui étaient les deux hommes avec Baldur? Ce sont vraiment les fils de Thor? Oui, Magni et Modi, deux abrutis finis que tu ne risques pas de croiser dans les halles d'Asgard. Ils obéissent au doigt et à l'œil à leur oncle. Ils sont stupides. Certes, mais ils sont aussi dangereux. Quand ils font équipe, ils sont redoutables. Mais ils passent plus de temps à se chamailler. Enfant déjà, leur force était légendaire. Je me souviens du jour où le géant Rungnir est tombé sur Thor. Une autre fois, tête. Les contes de Mimir, attends. Annie et Maudit, les fils de Thor, aident leur oncle Baldur à nous trouver. Ils sont forts, dangereux et bêtes. Mimir connaît une histoire sur eux et Rungnir. Pensez à demander. J'aime trop les notes du gamin. C'est rigolo. Ouais, ouais, on fera cette zone-là plus tard. Non, j'aimerais bien aller sur l'histoire principale pour le moment, mais alors je ne sais pas du tout où je me dirige là. Et ça, du coup, attendez, est-ce qu'il faut que je refasse un petit truc avec ça? Pas forcément, hein. Not necessarily. Retourner à Midgard, appuyer sur Y, voilà. Où est-ce que Baldur nous cherche? Eh bien, résumons ce que nous savons. Baldur est sans conteste le meilleur tracker d'Odin. S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche. Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique. Ah. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Odin n'a pas. Le roi des dieux. Des as, oui, mais son pouvoir a des limites. Et ce qui est hors de sa portée, il cherche constamment à l'atteindre. Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça. Ok, donc Odin nous cherche. Odin nous cherche. On sait pas pourquoi. Mais visiblement... Cet alchimiste pour une création que je te réserve. Mais visiblement, il nous aime pas. Merci Tornado pour les 3 mois avec Prime. Merci beaucoup. Bon, alors, attendez. Carte. Ah mince, mais on n'est pas tourné... On n'est pas tourné du bon côté, là. Faut qu'on aille là, non?
Bonsoir Ziram. Donc yo. Pour atteindre la montagne, on doit traverser Vanheim, c'est ça? Non, ce n'est pas Vanheim, c'est la tour de Vanheim, et les deux côtés sont à Midgard. Ah bon? Alors pourquoi est-ce que le pont pointe toujours vers Vanheim quand on revient à Midgard? Tu préférerais qu'il pointe ailleurs? Tu aimerais passer plus de temps à pousser des ponts? Non? Alors c'est mieux comme ça. Ok. Ok, très bien, j'ai ma réponse. Let's go. Je crois quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Donde está le bateau? Bah il est là. Du coup faut qu'on aille Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Oui monsieur. Oui monsieur. Merci Giggs pour ton message. Trop gentil. Venu maître du désastre. Bye. Tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré, une déesse Vanne. Légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie Vanne, qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Des cauchemars. Je les déteste. Ok. Je me suis arrêtée là parce qu'il y avait un petit quai et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Hein. C'est quoi? C'est un ascenseur? Non, on va pas le prendre tout de suite. Oui, c'est le 1, tout à fait. C'est God of War 1. Enfin, God of War 1. Il y en a eu d'autres avant, hein, mais... Voyons voir qui a-t-il en haut. Mais encore! Mais on n'arrête pas de les croiser partout, eux. C'est pas possible! Pauvre Fafnir, la ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Hé, hey Sindri, tu connais Mimir? Si tu parles de la tête coupée qui me fait des clins d'œil, merci de ne pas l'approcher. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant! Ravi de te voir aussi, Sindri. Crétin. Je les aime bien. Bon, on peut rien, toujours rien faire, c'est pas grave. Mais au moins, on a découvert que Ciné pouvait être aussi ici. Salut Frika, ça s'est bien passé. Bon, on n'a pas fini dans les premiers, malheureusement. Mais c'était cool, on a... On a fait 7e, je crois, c'est ça? Je sais plus, chat, c'est vous qui savez. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 7e. On a très bien commencé, et après moins. Et après on a moins bien commencé. Il faut passer entre les deux rameurs, ils ont dit. Et là, normalement, on va vers notre quête. Si vous permettez, chat, je vais vous laisser ici, je vais juste mettre mes lunettes. Parce que je commence à avoir les yeux très secs.
J'arrive. J'ai trouvé un petit chat sur le chemin qui me suit partout, qui veut des petits câlins ou je sais pas ce qu'il veut, mais il me suit partout. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ok. Voilà, prends un petit chat sur le chemin. Ok, c'est parti pour la quête principale, les gars. Tu t'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Pourquoi Freya a accepté d'épouser Odin? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr... l'histoire ne s'arrête pas là. Ah, donc Freya, la sorcière dans les bois, là, a épousé Odin, qui veut notre mort. Oh, punaise. Gulvig, tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Esprit du lac, what the fuck. Quoi ça? Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gulvig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Ah. Tu veux qu'on récupère ses os? C'est dégoûtant. La magie Seisre de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment? Comment ? Atreus. Je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte, sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, nous partons. Ils ont pris trois des eaux de Gulvig et les ont disséminées autour du lac. Apporte-moi ces eaux, mon enfant. Gulvig te récompensera. Ouais, mais je ferai ça plus tard, mec. Oh. Ils sont pas cool aussi. Le spécial est juste dehors, derrière cette porte. Prépare-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Attention, père! Ah!
Ok. Ok. Qu'est-ce que quoi ? Ah oui, c'est bon, on a baissé le truc. Ok, let's go. Ok, let's go. Vraiment, les animations de combat sont incroyables sur ce jeu. Tout bonnement, génial. Qu'est-ce que c'est ? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense, mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait toujours transmettre son vaste savoir. Oh, il y a de l'argent là-dedans. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur en lui, ou le fils pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra. Et le tailleur de pierre, surmené, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seul la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu vas voir. Wow. Merci à Henri pour les 13 mois de chasse. Merci beaucoup. Oui. Thor l'a tué. Oh non. Il est tombé sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce soit Thor a juste eu un coup de chance. Nouveau lieu trouvé. Accès mystique. Un Wolver, quand tu veux. J'arrive pas à me battre. Aïe aïe aïe. On cherche un burin. Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. Ok. Un très très grand burin. À
Attends, mais... Ah oui, c'est de l'argent, ça. Donc, attendez, je récupère la petite bourse, ici. Elle se débardit. C'est scellé avec de la magie, je le crains. Ok. Bon, que se passe-t-il par ici? Hop. Voilà. Oh, bien joué, petit. Merci. Hop là. T'as un grand corps, genre des gros doigts, trop stylé. Ouais, ce qu'on voyait dans la glace là, oui, c'est trop bien. Attendez, hop, bonjour, hop. Voilà. Là, il y a un petit coffre. Oup la badoum. Qu'est-il arrivé aux survivants ? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a été congelé. Ah. Fermé par un sceau magique. Un géant de glace. Je sais pas si je vais enchaîner direct sur Ragnarok, mais ouais, je ferai Ragnarok dans pas trop longtemps, je pense. Hop là. A plus, Marmisa, bonne nuit, bye. Okay. Épaulière unique en peau de Wyrm. Protection du torse. Affiché dans le menu, on va faire ça. Ouh, ça a l'air pas mal, ça. Attendez, je vous enlève la cam, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Je sais pas du tout quoi mettre là pour le coup. Ouais, on va laisser ça comme ça. Et là, bon, c'est quand même mieux. Là, on a la meilleure, on a les meilleures épaulières, je pense. Hein. On trouvera pas mieux. Voyons voir. Les compétences, on avait tout mis. Sauf ça, chargé de posture, on une pause après une attaque à l'âge de Léviathan. Une fois dans la nouvelle posture, appuyez sur RB pour effectuer un balayage. Ok. Je sais pas trop ce que c'est, mais let's go. Voyons voir. Parfait. Oh, t'as vu ? Let's go. Salut squelette musicien. C'est marrant, bien juste de me poser la question. Oui, je ferai le Ragnarok après, mais pas tout de suite. Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Oh la vache. Il faut sa magie. Regardez, mais en fait, c'est sa tête là qu'on voit avec son énorme œil. Vous avez vu ? Oh my goodness. Des ennemis. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir ! Je vais y aller ! Regarde derrière toi ! Je suis pas prêt. Attends, mais je voulais le faire exploser, j'ai pas réussi. Oh punaise.
dessus. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non, comment on fait? J'attends qu'il me push et ensuite je fais ça. Non, mais comment on le bat? Au secours! Je crois que j'avais mon truc de feu à un moment donné. Ah ouais, je sais. Ça marche pas là ce que je lui ai fait. Magie de base derrière toi. Je comprends pas. Attendez. Je crois qu'à un moment donné je pouvais utiliser ma hache en feu. Attendez, parce qu'il y avait un truc comme ça, je me souviens plus. Attendez. Oh punaise, je me souviens plus. Je me souviens plus. C'était quoi déjà? Non. Avec le feu, mais je sais plus. Non, ça marche pas quand je le frappe. Je me demande s'il faut pas, il faut le faire péter avec ça, non? Je crois qu'il faut lancer ça et tirer dessus peut-être. Non, c'est quoi déjà? Attendez, je réfléchis. Faut que je l'électrise et peut-être que je lui lance ça après. Non, je sais plus. Mais je crois que je peux. Ah mince, bon c'est pas grave. Je crois que je peux enflammer ma hache, mais je sais plus comment qu'on fait. Je sais plus comment qu'on fait. Il me semble que je pouvais. Je pouvais peut-être faire. Ah non, c'était gelé. Ah non, je confonds. Hey, de la sève durcie de l'arbre monde, ça tombe bien. Mais non, je confonds, c'était pas le feu, je pouvais seulement geler ma hache. Oh no. Attendez. Codex. Ils sont où les géants qui font géants de glace là? Alors. Mince, j'ai jamais battu un truc de glace. Ah mince, il me semblait en avoir battu un. Apparemment non. Ouh. Ah, j'aurais pas dû utiliser ça. Hop là.
Protection des avant-bras, voyons voir. Plus 9, plus 10, c'est pas mal, hein. On va mettre ça. Par contre, il est où le géant ? Atreus, avec moi ! J'arrive, j'arrive ! Ah bah il a disparu, il a des pop, les gars. Codex. On va regarder le bestiaire. Pourquoi je trouve pas? Il est écrit ancien de pierre, mais moi c'est pas ancien de pierre, c'est... C'est ancien genre de glace, quoi. Non, ça doit être ancien de pierre. Bizarre. Bizarre. Le socle d'un cristal lumineux. Mais où est le cristal? Ah oui. Oh punaise. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a pas un autre moyen? Moyen plus facile de le battre. Oh, oh non, j'ai loupé. Il n'y avait pas de moyen plus simple, je pensais qu'il y avait vraiment un moyen plus simple, littéralement. Ok, objet rare enchantement, let's go! Nouveau bestiaire, un ancien dans le froid et la neige, ancien de glace. Je me demande s'ils pensent comme nous, je ne les entends pas, ils n'ont pas de bouche ou d'oreille. Pas que je puisse voir en tout cas, ils sont plutôt pacifiques si on ne les attaque pas. Je ne le dirai jamais à père, mais j'aimerais qu'on les laisse tranquilles. Ah bon? C'est bon. Ok, let's go, guys. Ok. Oh non, 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 what? Tiens-toi prêt, mon garçon. Attendez, qu'est-ce que... Il faut que je les fasse tous.
Oui, oui, pas de backseat, s'il vous plaît, dans le chat. Pas de backseat, pas de backseat. Merci beaucoup. Le cristal, le voilà. Here is the crystal. Qu'est-ce que ça dit? D'accord. Par ses dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui, on raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Mm-hmm. Let's go. Alors, deux secondes, parce qu'on a un petit coffre à ouvrir par ici. Voilà. Voilà, on ouvre les coffres comme ça, nous. Bam. Ok, ensuite. Voilà. Ah, mais là, il y a un truc aussi, j'avais pas vu. Voilà. Et il en reste un dernier à faire qui se trouve je ne sais pas où. Oh purée. Oh, c'est vachement intimidant hein, cette énorme tête. C'est pas ouvrir, c'est exploser le coffre. Bah écoute. It's working. Peut-être là-haut du coup. Attends, mais ça ouvre quoi? Ça fait quoi au juste? Ah non, là, c'est de là où on vient, c'est vrai. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas. Ah mais c'est ça! J'avais pas vu! Oh là, je suis tellement bigleuse. Regardez là, en fait mon bonhomme il est devant là, je voyais pas. Attendez, ça a ouvert ou pas? It opened right. Ah voilà. Oh purée, tout ça pour un coffre. Ah oui, c'est vrai que ça c'est en général c'est des. C'est vrai que c'est des portes pour des gros coffres, j'avais zappé. Ok, let's go. J'avais même pas vu le truc. Marque du lanceur, objet légendaire, enchantement. Bah ça, il faudra voir pour le rajouter. Tu devrais t'acheter une nouvelle lunette, ouais. Clairement. Je vois pas la différence là, qu'est-ce que ça a fait au juste? Bon, on va dire que c'est ok hein. Je sais pas. Ah c'est vrai, il doit tirer dessus je crois. Voilà. Il faut que ma cervelle se remette en route. Oh! Poussière de royaume légendaire. On trouve cette substance informe dans les brèches du royaume. Elle permet de rehausser les propriétés de divers talismans. Lourd. Bonsoir, mes 5 brèches du royaume. Argent fermé 10 brèches du royaume. Bla 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 bla. Ok. Bonsoir, Tiomi. Hello. Exactement. On est sur le premier God of War. Ouais, je suis sur la PS5 là. Et oui, tout à fait.
goddamn. Comment on descend? Oh là là. J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je gros doute coup que de hache Thor, dans la glace. Armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus. Je suis prêt. Il était chouf. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Olfo, merci pour le raid, bonsoir everybody, merci beaucoup Alpha pour le raid, bonsoir tout le monde, merci Olfo aussi pour le raid, bonjour, bah bienvenue tout le monde, vous arrivez en pleine scène God of War, God of War. Nous sommes sur le premier, alors sur God of War 2018. On est un petit peu avancé dans l'histoire, mais voilà, bienvenue. Bonjour, j'espère que vous avez passé un excellent stream. Qu'est-ce que vous faisiez? Hello, hello. Le baston. Bonjour Katoche, bonjour Melio, bonjour Arthur Baudry. Le fight était incroyable. La cinématique, les cinématiques de finish et tout sont insane.
Je suis trop trop fan, j'adore. Salut Trinox, ça arrache des têtes, on essaye, ouais. Bonjour Damien Crozel, sa castagne, oui. Bonjour Mythe et Rand, bonjour Dams. Bonjour Solfo, hello, bienvenue. Ah, oh, c'était trop bien. Non, je peux pas faire ça. Oh la bagarre, oh là 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 là, cette scène. Oh là 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 là. Impressionnant ce. Ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment je l'ai. Oh. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Il a vraiment fait ça là? Un petit boop sur ma hache? Et c'est bon, elle est fixe? Vraiment? Ok, trouver un accès au marteau. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour! J'espère que vous allez bien. On en est en gros à nous rendre à la montagne la plus haute. La plus haute, ever. Pour y disperser les cendres de la femme décédée de Kratos. Je ne vous spoile rien, hein, c'est déjà le début de l'histoire, hein, tout ça. Donc. En fait, on est allé à une montagne, on s'est rendu compte que c'était pas la plus haute. Du coup, bah, pas de bol. Il faut se rendre à la vraie montagne la plus haute. Mais pour cela, il faut trouver des trucs qui nous permettent d'aller vers la montagne. Enfin bref, le parcours est semé d'embûches. Il faut qu'on y arrive, quoi. L'Everest, c'est ça, Olfo. L'Everest de Kratos, quoi. Dans le monde de Kratos. Bonjour, Ogui. Hello. Mon dieu, le spoil. Non, vraiment, il n'y a pas de spoil du tout dans ce que je vous ai dit. Enfin, je crois. Sauf si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie de vous spoiler un petit peu sur l'histoire, parce que je suis quand même un peu avancée. Mais en gros, voilà, il n'y a pas énormément de choses. Fallait mettre le GPS, bah, si seulement. Hein. Alors attendez, épaulière runique en peau de machin. Est-ce que je prends ça? Et protection des avant-bras. Alors, +1, +1, +6. +1, +2, +9. Bah, peut-être qu'on va prendre celui-là à la place. L'arc serre, voyons voir. Oh, c'est pas mal ça. On va mettre ça. On améliore l'arc serre. Et. Parce qu'on s'est déjà trompé. Oui, on s'est peut-être déjà trompé. Oui, bon. On va mettre ça, on va améliorer ça. La protection du torse. Non, mais c'est bon, hein. Moi je disais ça, c'est... Non, je dis ça, je dis rien. Juste les relous. Force +4, +2, il nous manque... Oh, il nous manque un or, on peut pas... Hop, combo 2H. Il nous manque des trucs, talisman. La hache Léviathan, où est-ce qu'on en est? Flamme de glace, on ne peut rien faire. Si il n'y a aucune urgence... Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Carquester peut-être. Ah bah voilà. Réduit le temps de chargement des flèches. Parfait. Ça c'est nickel. Hop.
Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Voyons voir. Unique. Attaque runique rapide de la hache. Non. Ah, les enchantements! C'est vrai, on a pas mal de nouveaux enchantements. Alors attendez, vendre. Artefact, ça on peut lui vendre. Voilà, ça on lui vend. Bribrou, bra, bribrou. Pierre de résurrection, on s'en fout. Les enchantements, on va pas lui vendre ça. Ah oui, mais attendez, objet perdu, fabriquer. Fabriquer un talisman, qu'est-ce qu'on a? Talisman de potentiel infini, ça nous enlève 8 en vitalité, c'est pas ouf. Ah ah, maman. Bon. Autre chose? Déjà pas mal. Bon, ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Tu ne dois pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? Good question. C'est insane. Vous avez vu, c'est une grosse tête. Là-bas. Attends, mais où est-ce que je descends? Ah, mais il n'y a pas à descendre, ok. Hop. Et ensuite... Oui, il y a quelque chose là-bas. Bah attends, je vois rien. Allez, on peut descendre. Alors ? Êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir ? Non, on pouvait traverser, boum. Ah non, c'est vrai qu'il m'avait confié une mission que j'ai pas faite. Bon, c'est pas grave. Oui. Tu crois qu'on trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pointe du burin ? Non. Continue à chercher. Ok. Oh my goodness. Oh la vache. Punaise, faut que fasse bien. Oh non, j'ai le choc, hein. J'ai failli faire n'importe quoi. Oh. Ok. Nous le montrerons. Ok, fine, solide le bouc de ouf. Tu connaissais cet endroit avant? Oui,
J'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudit. Attends, Ombre, autrefois humain, c'est Pillard. Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui que je voulais voir. C'était l'autre, là, l'espèce de chevalier bizarre, là. C'était quoi, ça? What was this? Tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous venez faire les géants au milieu d'une guerre entre les dieux? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ah mince. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. Non, pourquoi il avance si loin? Qu'est-ce que quoi? Oh purée. Qu'est-ce donc que ça? Ça va me permettre de monter là-haut. Donc, quelle est la différence entre les deux côtés au juste? Mince! God damn it! Oh! Ow! Ow! Bon, j'arrive pas, hein. Attendez. J'arrive pas! Bon. Bon. Pourquoi il va si loin? Peut-être des trucs à récupérer par là. Mais je vais aller là d'abord, mais comment, pourquoi il s'arrête pas en plein milieu le truc? Je peux quand même sauter ici là? Ah oui, ah non. Non, oh là là. Oh non, je me trompe de touche, je vais finir je vais finir cané par mon gosse. Arrête ! Ça suffit. En fait, je peux pas avoir ma hache et tout. Bah, en escalade pas que ça. J'étais si nulle en escalade à l'école. On avait fait un peu d'escalade un jour et j'avais le vertige à l'époque. Là du coup, ah attendez, mais je peux monter est-ce que je peux bouger ce petit bloc? Non, je ne pense pas que je... Oh non, il est en train de ramener tout au bout. God damn it. J'avais le vertige quand j'étais plus jeune. D'ailleurs plus maintenant, enfin je crois que j'ai plus... Oh là, mais je touche même pas la manette et ça fait ça jusqu'au bout, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai quasiment plus le vertige en vrai, parce que quand on a fait la Via Ferrata avec Margot au Marwell Adventures, eh bien bah franchement j'étais ultra fine. Mince. Non. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Je loupe? Ah mais c'est parce qu'en fait je loupe... Attendez. Est-ce que j'ai un timing? Non, j'ai pas de timing. Comment je fais?
On peut pas lui demander de monter à ma place là sur le truc. Je peux lui demander. Moi aussi j'avais le vertige, mais en escalade au sol, au bout de 2 séances, allez, le fait d'être contre le mur et se savoir assuré parfaitement. Enlève ça. Oui, avec les. Parce que t'avais les trucs qui te protégeaient et tout. Oh, je me souviens, je montais de 3-4 petits blocs sur le mur et j'étais en panique. Les seules fois où je me suis retrouvée en escalade ou vraiment sur des rochers quand j'étais petite avec mon père, on allait parfois. On allait parfois marcher dans des hauteurs, des trucs et tout, bah j'étais terrifiée quoi. Je pouvais plus rien faire, j'étais complètement tétanisée. Attendez. Du coup. Bré, bra, bri, bro, bri. Est-ce que je peux lui demander de tirer lui là-dessus? Mais je peux pas en fait. Non, ça marche pas. Donc, je suis obligée de le faire moi-même. Et comment je peux faire pour tirer sur le truc si je suis dessus? J'aimerais bien lui demander. Je peux pas lui demander de monter à ma place au gamin là? Par contre, en extérieur, sur un pont à 1,50 m de l'eau, j'ai encore le vertige alors qu'il y a des barrières. En escalade, en extérieur, j'ai encore trop le vertige et c'est moins safe, donc l'effet part pas. En fait, t'es rassuré que quand t'as les protections, quand t'es protégé à l'intérieur, ouais. Quand tu sais que t'es bien tenu et tout, mais sinon, c'est trop dur. Mais non, mais je peux pas récupérer ma petite hache quand je suis accrochée comme ça, là. Never mind. J'aurais tellement voulu faire de l'escalade en cours, mais annulé car les salles étaient fermées avec le Covid. Ah oui. Et maintenant, ça te dit pas Dyson maintenant que he's fine? Peut-être évalué sur l'escalade en France. Bah peut-être que dans certains collèges, lycées, oui. Ça, à mon avis, c'est peut-être une épreuve. Moi, en tout cas, ça a jamais été une épreuve de bac où ça a été jamais été un sport de semestre et tout. J'avais essayé comme ça, mais oui, j'imagine que dans certains établissements, oui. Attends, fiston, parce que alors attends, oula, faut que je me concentre. Oui, mais non, mais si, c'est bien de l'autre côté qu'il faut passer. Ferrata, ça m'a fait penser à Burrata. J'ai faim. OMG, moi aussi, j'ai trop faim là. Mince. J'aimerais bien monter là, mais le truc c'est qu'en fait, je veux faire ça, monter là-dessus, comme ça quand ça me tourne, je peux monter là. Mais ça veut pas, je peux pas. Preuve de bac pour les 1997 vieux comme moi. Oh, 1997, c'est pas vieux, arrêtez. Hein. Et ça suffit, hein. C'est pas désagréable comme ça. Ta faim, mais non, j'ai trop la dalle. En fait, j'ai mangé une banane là pour calmer ma faim, mais. Ça ne suffit point, chers amis. Mais en fait, je peux tirer n'importe où. Comment on fait pour. J'essaye de me souvenir comment on fait pour glacer ma hache. Je sais que ça va servir à rien, mais je me souviens qu'au début du jeu, là, je pouvais glacer ma hache. Comment je faisais? Non. Non. Elle a pas lu is ok. Ah mince, c'est le bac en 97, c'est ça? Attends, épreuve de bac pour les 1997 vieux comme moi. Alors attends, du coup oui, je suis pas sûre si c'est le bac en 97 ou si c'est pour les gens nés en 97. Ah oui, en effet, si c'était le bac en 97, c'était un petit peu plus longtemps. Un petit peu plus longtemps que moi. My bad, je dis pas pour autant que c'est vieux, hein. Dire passer le bac en 97, c'est ok, ça fait que vous êtes de 79. Non, c'est pas du tout ça, si. Si, c'est ça, je crois. Ça va.
79-80 à peu près. Ils ok. Alors attendez, oui, on se remet sur le truc. Attendez, faut que je me concentre, sérieusement. Je veux sauter sur ce truc pour aller de l'autre côté. Mais je ne peux pas aller de l'autre côté, donc il faut que je puisse tourner ça. Non, donc on est bien d'accord. Oula, excusez-moi. Merci Dino pour le 17 mois, merci beaucoup. Là, je peux monter là-dessus. Oula là. Excusez-moi. C'est moi le bâillement. Donc... We're thinking. Oh, il y a un coffre là. What the fuck. Attendez. Oh. Oh. Hop là. J'ai faim. Je haïs la personne. D'ailleurs, ou pardon. Oh punaise, bah décidément, je baille beaucoup. Il y a quelqu'un qui a parlé de burrata et je me souviens que j'ai de la mozza et tout dans mon frigo. Oh my goodness, ça me donne envie d'aller la chercher et de manger. Je vais me faire une grosse salade là après. Miam! On va détruire les pots. Donc je sais plus comment geler ma hache, mais je pense que ça n'a pas de toute manière d'importance sur le process. Attendez, mais je peux pas casser un truc là? Oui, il y a une corde. Je croyais que ça a un truc à faire avec. Je pense pas, hein. Non. Plus tard dans le jeu pour la geler. Non, je peux la geler dans des mécanismes. Par exemple, si j'utilise un rouage ou un truc, je peux mettre ma hache dedans et la geler. Mais je me demande si c'est pas le jeu qui le fait automatiquement, qui décide de quand geler la hache. Je me souviens plus de comment on fait du tout. Oh, pardon. Oh là 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 là, ça y est, c'est le bye-bye, c'est terrible. Attendez, j'ai manqué un élément, non? Oh! Attendez, what the fuck? Ah, mais c'est juste, je peux casser des trucs en fait. Ok. Ok. Ça fatigue de lancer des haches? Bah oui, un petit peu, hein. Mon cerveau est grillé, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Je ne suis plus en capacité de réfléchir. C'est sûr que ça va me revenir là quand je vais courir, je vais faire ah avec mon cerveau qui va avoir du délai. Alors, mince, où je suis là? Hop, ok. Ok. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Oh, mais punaise. Je suis vraiment désolée pour tous les bâillements. Très fatiguée. L'abandon. J'y retournerai plus tard, vous inquiétez pas. J'y retournerai. Ah, mince, attends. Donde vamos?
On est Bamos, je ne sais pas. Là. Ah voilà. Manger ou dormir, faut choisir. Bah les deux hein. Moi je peux pas aller dormir sans manger avant. C'est pas possible. Après je suis genre pas bien. Le ventre vide, c'est impossible. Genre tu vois l'expression qui dort dîne. Pas pour moi. Dis en vrai j'ai envie de retourner au truc mais je peux pas y aller je pense. Comment je fais pour y retourner? Je peux pas, hein. Ah oh, purée, je peux plus. Ah oh, je peux plus. Non. Je peux plus. Y'a pas plus. Bah. Non, on peut plus. Comment on fait? Oh no. Qui dort dîne, pour moi, ça n'existe pas. Qui dîne pas, dort pas, hein, plutôt. Oh non, je peux pas retourner au truc. Comment... Ah si c'est bon. Ok. Vas-y on va y retourner. C'est bon là. Après sinon on va galérer à revenir parce qu'il n'y a pas de portail proche, etc. Bon. La pierre on peut soit la mettre là, soit la mettre là, soit la mettre là. So what now? Oh là, pardon, mais c'est pas possible, elle arrête de bailler celle-là. Si je me remets, t'es capable. Oh, je suis plus capable de rien, sorcier, c'est pas possible. Non, mon cerveau il fonctionne plus là, les gars. Ouais. Non, ok, donc là. C'est ça. Là, je touche pas à la manette. Là, ça s'arrête automatiquement. Je pense vraiment, en fait, c'est là qu'il faut l'arrêter. Et là, je touche plus non plus. Ça fait ça. Ah, peut-être là, je peux monter dessus ou un truc du style. Non. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que là, ils m'ont proposé de défaire la glace des chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, d'ailleurs. Donc, je me demande si... Il n'y a pas un truc avec ça que je dois faire. Punaise. Punaise de punaise. Alors, peut-être, c'est non. Je suis désolée, je suis bloquée sur un truc nul. En temps normal, on serait pas fatigué. Peut-être qu'on y arriverait un peu plus rapidement, mais. Cerveau! Donc là, quand je fais ça, ça tourne. Est-ce que là, ça fait que. Mais oui, mais là, je vais être bloquée pareil, quoi qu'il arrive. Oui, là je vais être bloqué pareil, je vais pas pouvoir y aller. Now! Ah, je peux monter là. Oh lolo. Oh, c'était trop nul. Je m'attendais à un truc plus technique que ça. Je me suis fait bait par le rocher. Attendez, améliorer. Mince. Attendez, j'ai quoi là? Je me souviens plus. Tempête de Njord et enclume d'Ivaldi. Ok. Tempête de Njord, donc ça je peux l'améliorer. Donc ça on va l'améliorer. Hop. Hop là. Et enclume d'Ivaldi. Ah ça on peut pas.
Amélioration d'attaque chronique. Maintenez RT pour charger jusqu'à 3 vagues de dégâts de givre. C'est tout. Ah oui, non mais... Ouais, non mais je m'attendais à pire que ça, parce qu'en fait, quand on met le rocher ici, on est bait parce qu'on peut y aller. En fait, et le rocher là, je pensais qu'on pouvait pas, je pensais pas qu'on pouvait l'arrêter au milieu. Je pensais que ça allait jusqu'au bout. Oh là là. Oh, c'était un peu nul en vrai. Je m'attendais à un truc de timing nul, mais en fait non, c'était juste ça. Bon bah, au moins on a réussi, c'est pas grave. Peu importe, il n'y a pas de petite victoire. Toute victoire est bonne à prendre. Ça fait quoi si tu lances sur les ronds? Ouais, ça tournait. C'est ça. Oui. Et c'est Lumos. On va quand même donner un 2 sur 10 à cause de la vitesse d'exécution. Ouais, mais non, mais je savais juste pas qu'on pouvait tourner, qu'on pouvait le mettre là, le rocher entre les deux. Braf. Braf. Pouparapipoup. Hey! Oh! Ça, c'est fort, j'utilise ça moi. Ah, le deuxième truc là. Enclume d'Ivaldi. Ouais, la serre de Thiazi, ça a l'air pas mal hein, quand même. Hein. Je vais équiper celui-là et je vais voir ce que ça donne. Et maintenant? Salut Talbigol, je vous fais un petit message en passant pour dire que ta douceur, ta gentillesse et ta simplicité me font le plus grand bien dans ce monde nul. Des bisous. Oui! Oh, c'est trop gentil ça, Cricri. Merci beaucoup. Bon alors. Un autre cristal, t'as qu'un mot à dire. Ah ouais? Ça, un autre cristal. Ça là, c'est un cristal. Ok. Bah, allez-y, hein. Là, pardon, excuse-moi. Oh là, je me donne la gerbe avec mon gameplay manette, c'est horrible. En fait, il faudrait que je puisse diriger le truc là-bas, j'imagine. Ah, mais on peut le tourner. Enfin, on peut le shake. Ok. Timing's not right. Et on peut pas le tourner du coup. Ok. Voilà. Oh, on y est presque. Ah, faut refaire. Ok. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment ? Hop là ! Salut Brand Game, ça va bien, merci beaucoup. Ça va, tranquille. Ça va tranquille, mis à part que j'ai extrêmement faim. Est-ce que je peux monter sur le truc ou quoi? Ah voilà. Ça. Simplement.
pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Oh. Oi. Dis donc. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Merci Imperas pour les 30 points tier 3, merci beaucoup. Merci. La réverb, ouais, c'est trop bien fait. J'ai adoré. Ok, ok, ça marche. Accroche-toi. Accroche-toi. Ce plan ne me dit rien qui va. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. En effet, c'était pas ouf. Bon, ça arrive. Alors, ceinturon de tisseur de runes. Arme défensive consolidée qui favorise les runes. Ouh, moins 14 en récup. Par contre, Donc récupération réduit le temps de récupération des attaques runiques, des invocations runiques et des talismans. Il y a quand même plus 18 en runes, plus 7 en force, plus 2 en défense. On va mettre ça pour voir. Let's see. Oh non, le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre? On ne peut pas. Atreus, par ici. Allez Atreus, allez. Tu me donnes trop envie de le lancer. Ah ouais, God of War. Ah, je comprends. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons, c'est à l'envers. Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais celle-là. Hiver! Silence, tête. Il n'aime pas la musique non plus. Compris. Et c'est ça. Ah mince! Non, mais je me suis trompée, j'ai rien fait en fait. C'était pas ça. Purée, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? C'était avance à reculons, quoi? Oh purée. Je savais que j'aurais dû écouter, god damn it. Mince, ils ont dit quoi? Il y avait une histoire de à reculons. Purée. Ouais. Ok. À reculons. Bon bah. On va essayer. Il commence par hiver, du coup, c'est ça. Donc c'est genre hiver, automne. Était printemps, un truc comme ça, non? Je sais plus. Purée, il y avait une histoire de reculons, je sais plus. Je sais plus. Voilà. Ah. Je m'en rappelle plus. Je
pourquoi il n'y a pas de... Pas de rose là. Attendez. Bah, attendez. Oh, 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 oh. Ok. Donc là, c'est pas bon. Oh la vache. Grand. On est... Écrit. Non. Vetter. Haust. Suma. Suma. Toujours rien. Atreus, quel est l'ordre de la chanson déjà? Printemps, été, automne. Hiver, printemps, été, automne. Oui, mais s'il n'y avait pas un truc de faire à l'envers? Ce serait trop facile sinon, non? Est-ce que c'est ça, hiver, printemps, été, automne? Vetter, Val, Suma, Haust. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Mère le chantait. Hiver, printemps, été, automne, donc. Pff, la rose, c'est pas le printemps et la feuille, l'automne, si, non? C'est pas ça? Si, hiver, printemps, été, automne. Mais du coup, il faut le faire à l'envers. Donc, faut faire genre automne. Hiver, printemps, été, automne. Automne, été, printemps, hiver. Ah, j'ai la dalle. Atreus. Ah si, c'était le truc à reculons. C'était ça. Eh bien, un truc de reculons. Atreus, ce mot... Fola, ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Fola. Oh, Fola. Oh non, pardon. Bien joué, petit. Oh là là, il a remis la pièce purée, si seulement ça pouvait faire la même chose dans ma chambre. Fola. Ça n'a pas marché. Écris-le encore. Fola. Oh, c'est là. L'énergie fait monter la plateforme. Continue. Oh, wow. Fola. 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 Tête. Comment est-ce possible? Merci Lunararo pour les 3 mois de sub. Magie temporelle. Merci. Une chose dangereuse avec laquelle les vieux Val aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Wow. Une spécialité de Niorn, en fait. Mais... Non, ça marche jamais, non. Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croc. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps... Oh, 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 oh. Avant que le sol s'effondre. Voilà. Voilà.
Allez donc. Oh là. Oh ouais, je suis full concentré là. J'avais pas capté. J'ai pas encore. Ouais, j'ai pas encore écrit. Au dernier Godot. Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Eh B. Quelle aventure. C'était incroyable. It was insane. Bon, comment on va faire pour la dégager? Pousser. Aie confiance. Ouais. La pousser, tout simplement. Calme-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Tony, en tête, Montana, en bas. Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien? Tant mieux, on doit avancer. Je mange une biscotte, Chloé. Salut, bis de Kate. On est en train de tout détruire. Ça se passe vraiment pas bien. Genre, avec le boucan qu'on fait, la bande du burin. Si Baldur il nous retrouve pas. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Merci, Matt Kiff. Merci beaucoup pour les 6 mois de sub. Eh ben, à plus, Bran Gaze. J'ai toujours pas dormi, je suis à 25 heures d'un... Enfin, je crois... Wait, what the fuck? Gratuit que vous connaissez peut-être pas, voici quelques titres. Si vous voulez, des gratuits? Des quoi? Des gratuits? Des titres gratuits? Au revoir et bon live. Merci beaucoup, Bran. Au revoir. Attendez. Mais oh, oh! Ok, c'est bon, j'arrivais pas à me m'attacher. Hop là. Et hop là. Oh purée. Ok. Bah c'est parti, on monte. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui, Magni et Modi, les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. Mm-hmm.
Ah, merci Matt Mattel pour les 6 mois et Chocostein pour les 49 mois et Monsieur Poil pour les 20 mois, pardon. Merci beaucoup. Ah, la grande salle de festin. Oh. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. J'adore. J'adore. Il va nous falloir quelque chose. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Ok. Mince, il a dit quoi ? Qu'est-ce qui se trouvait derrière ce mur de glace ? Zut. Mince. Ah non, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est ce mur de glace là. Voilà. Vague et gougougou. On peut passer par là. Oh, what the fuck, what the fuck. Eh bah dis donc, j'ai pris cher. Oh là là, eh. Bon, bref. J'entends quelque chose. Comment on fait pour monter ? I want to destroy the ice. Des loups-garous qui ont dû m'entendre, oui. Je me suis fait détruire. Ah mais là il y a d'autres trucs à détruire. Ok, ça marche. J'avais pas vu. Sorry, my bad. Bien, il va y avoir d'autres trucs qui vont sortir. C'est génial, j'ai hâte. Tiens-toi prêt. Oui bah voilà, génial. Nice, Marianne.
ça suffit C'était trop satisfaisant. Je me suis appliquée pour faire des animations cool. Parce que sinon, je suis nulle. Bon, du coup, on a fait trois trous dans la banquise. C'est génial. Ah, voilà. Dans la banquise, dans la glace. C'est qui, lui? On sait pas. On a encore. Ouais, destructrice de dieu, de ouf. Moi, je suis là, je vous marave. Tu vois, il va encore bien. Encore lui. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Non, c'est trop... Hey, Sindri, tu veux bien regarder ça? À vrai dire, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire en ce moment. Non, mais lui, il est partout, c'est abusé. C'est abusé. Oh, les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Mais, belle armure. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Nouvelle formule déverrouillée. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Amélioration de l'arc serre. Oh. Voyons voir. Oui, mon garçon. Parfait, ça. Qu'est-ce qui te manque ? Protection de la taille. Améliorer cette armure pour ajouter un emplacement d'enchantement et augmenter ses stats. Ah, c'est bien ça. J'irais essayer de
pas la salir ? Oh, c'est bien ça. Protection du torse. Fragment d'armure de vagabond. Non. Bliblablou. Hop. Gantelet de vagabond. En fait, ça m'enlève beaucoup de stats de fou, là. Oh, pardon. Hihi. Génie qui va défoncer des loups et autres bébêtes juste après. Ouais, c'est pas... C'est sûr que c'est pas optique. Attends, mais augmente les dégâts infligés par les attaques runiques et dégâts... Faut vraiment que je fasse plus d'attaques runiques, hein, du coup, moi. Car quoi sert ? Insuffisant. La hache, insuffisant. Il me faut une flamme de glace. Protection du torse. Bon, voilà. Insuffisant. Protection des avant-bras. Oh, ça on peut... Elle est de moi. Ok, protection de la taille. Insuffisant. Pommeau de hache, insuffisant. Talisman. Amélioration réussie pour amulette de Gvazir. Il faut que j'utilise plus. Plus mes petits enchantements et mes petits trucs là. Attaque runique rapide de la hache. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Maintenir LB plus RT. Et ça, c'est quoi ? Maintenir LB plus RB. Ça, je le fais pas assez, les gars. Faut que je le fasse. Enchantement, pierre de résurrection, ressources. Voilà. Bonsoir, Scary. Bonjour, Rolly Roger. J'espère Rolly que ça Roger. Reverra. Oui, bien sûr. Eh bien, concentre-toi sur ton travail et cesse de faire la... Ah mince. Plaisante pas. Il a affronté notre oncle et a survécu. Notre oncle ne voit plus clair depuis longtemps. Oui, mais si père le croit, nous aussi. Alors si la femme, tu te concentres et tu m'aides à les trouver. On ne voudrait pas décevoir père. Oh, je vais te corriger. Non, on ne peut pas décevoir ton père. Ouvre l'œil. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Bon. Ah. Toi. Oh oh, mais il est gigantesque. Atreus. Il est gigantesque. En toi, le père de tout l'exige. Oh non. Non. Yo mec. Waouh. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Attends, mais je veux bien que tu tires des flèches, par contre. Où est-ce que tu vas comme ça ? Ah, yo, ça va ? Oh, oh purée. Non, mon frère. L'avorton oh, purée de un arc. Qu'est-ce qu'on va faire ? T'occupes du petit, mon frère. Tu n'as pas d'ordre. J'ai de grands projets pour toi. Oh, 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 oh. J'appelle ça un défi. Un vieil homme au fond de ton chépitre. Insolence, tu oses te dresser sans Asgard. Ton père est un... Oh non. Mais je m'en fous de lui, attaque lui là derrière. Mais non, mais pas lui. Oh,
C'est quoi ça, allô ? Reste derrière moi, Atreus. Pourquoi nous poursuivez-vous ? Que veut Odin ? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi ! M'appelle pas comme ça ! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton arme. T'es dit de te taire ! Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la vie. Je me sens là. All bad. Arrête! Peuvent toujours essayer. Tête. Désolé. Ça suffit, je sais, hein. Je suis allé trop loin. On tire vos carcasses jusqu'à ce par ici, minable. Quel est le Arrêtez. Atreus, reste concentré. Rentre-le pour toi. C'est
Atreus, contrôle-toi. Magni ! Oh ! Non ! Comment as-tu fait ? Tu n'as aucune idée de ce que... Sale fils de chien ! C'est ton tour ! Oh ! Reviens, sale lâche ! Je vais t'arracher la tête ! Fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus! La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. Oh punaise de punaise. On les a fumés. On les a fumés les gars. Oh punaise, maudit. Le fils cadet de Thor, dégénéré et tenace, il est capable de projeter des éclairs lui aussi et utilise une masse et un bouclier. Il a fui après que Père a tué son frère Mani, mais je suis sûre qu'on le reverra bientôt. Et cette fois, je le tuerai. Le fils aîné de Thor, une ordure qui maniait une immense épée et pouvait canaliser le pouvoir des éclairs. Père l'a tué. Oh punaise de punaise, les gars. Oh là là, le fight il était trop cool! Ça suffit. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Wow. Ok. Wow. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. Je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu ? Eh bah, depuis quand on peut tuer un dieu ? Depuis qu'on est un giga crack, en fait. Hop là. Ok. Normalement, il y a d'autres trucs à détruire. Yo mec. Ah oui. Yes, mais c'est vachement bien caché. Ok. Ici. Ensuite, on va ouvrir ce petit coffre là. Salut les Ninokun. Ouais, elle est vraiment cool la voix. Mais toutes les voix dans God of War, je les trouve vraiment... la VF, je la trouve très qualitative.
Bon, ma foi. Où est-ce qu'on peut trouver le troisième truc? Ah. Let's go. On va pouvoir ouvrir le truc en bas. Yo. Catalyseur glacial. Un éclat de glacier éléen. Il permet d'améliorer le charme des tempêtes infinies. Hop là. Oh, my home is eight others. Léon était trop bien caché ici. Ouais, de ouf. Ah, c'est bien caché pour nous. Allez. Faites bien attention à vous dans cette réserve. Je ne voudrais surtout pas perdre mes meilleurs clients. Mais comment partir ? Celle de Festin, bah nous revoilà ici. Hein. Incroyable. Amélioration de la hache Léviathan. C'est vrai qu'on peut améliorer vu qu'on a trouvé la flamme de glace tout à fait tout à l'heure. Let's go. De nouvelles compétences sont disponibles. Ah, ça fait plaisir. Bon bah ça fait vraiment plaisir. Brume glaciale de Niflheim. Bah on n'a pas trouvé ça il y a 2 secondes là. Salut Eskills, non, c'est le premier. On est sur le premier là. Pierre de résurrection. Pierre de résurrection supérieure, on va prendre ça en effet. Ok. Bon, commence à être pas trop mal en vrai, sauf à droite là, on est en termes de chance. Récupération et vitalité, on est vraiment à zéro. On est littéralement vraiment très très nul là-dessus. Je sais pas si je vais faire le 2 directement en sortant en... à la fin, mais. Ah bah mince alors! Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. Il y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Bonne nuit, petit Matt, au revoir. Good night, good night. C'est vrai que le gamin, il a pas l'air alors, au top là. Ça m'inquiète la un petit peu. Merci Rixi pour les 18 mois, merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Ah oui. Du coup, on peut ouvrir ça. Let's go. Mince. Let's go. Hey, je viens de réaliser. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte,
Pas de traitement aux portes des Limes, c'est peut-être un signe. Je sens mal. Hop là. Bonsoir Cartel, hello. Et on a le cristal à ramener à droite. Où se trouve-t-il ce cristal ? Ah bah. Il était là. La voix du petit. Ouais, trop bien aussi. J'aime beaucoup la voix d'Atreus. Ouais. Hop là, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Poussière de royaume légendaire, on trouve cette substance informe dans les brèches de royaume, elle permet de rehausser les propriétés de divers talismans. Let's go ! On n'a pas trouvé tant que ça, on en a trouvé 4 pour 18. Je pense que j'en ai loupé pas mal. Oui, dragon blanc, au revoir, merci. Regardez, on est de retour à la main du géant. Hein ? Quel est cet endroit ? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Ça bouge. On peut peut-être l'attendre. Oh, Atreus, de plus en plus, il arrive pas à parler, ça m'inquiète. I'm worried. Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Un chemin vers la sortie de l'autre côté. Oh, qu'est-ce qu'il a, le gamin ? C'est inquiétant, ça. Il y a une chaîne ici. Oh, punaise. Pauvre gamin. Le but du tout de ce passage, ouais. Ok. On va remonter par ici. Voilà. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Ok. Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants, qu'est-ce que tu crois que Mère dirait ? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Sans aucun doute.
coup, oui, on est revenu ici. Très bien. Ah bah oui, ici. Of course. Merde, là-bas. Quoi? Retourna au lac des Neufs. Je vois quelque chose là-bas. C'est un câble. Mais quoi? Mais comment ça? Mais... Bah! Mais oi! Bah! Trop bizarre. Chambre ouverte, 1/7. Chambre cachée. Ok. D'accord. Regarde, un autre. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas? C'est un mur, le géant tailleur de pierre. Oh. Il construit un mur autour de Jotunheim. Ce devait être son chef-d'œuvre. Il cherchait seulement à protéger son peuple. Dommage que le premier panneau ait brûlé. J'aurais préféré que le dernier brûle. Quelle terrible perte. Oh. Les gens ont laissé chaque fresque relade. Oh no. Oh. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Une prison. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Oh tu non. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Oh non. Quel genre de choses? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Oh quoi que non. Soit, Atreus, nous comment le ça, quelque chose de puissant? Comme nous l'avons fait jusque-là. Oh, j'aime pas quand Atreus dit ça. Ça pue. Au pire, on monte. Vous lieu trouver, ok. Mince, pourquoi j'ai pris celui-là? Le sang et les larmes. Ah ouais, oh non, quoi? Oh non. Oh, vous me spoilez sur le fait que ça va être horrible. Une Valkyrie? En prison? Alors c'était vrai. Une Valkyrie? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas l'adversaire plus redoutable. Elle ah bon ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Vaincre une Valkyrie. Bonjour madame. Oh yo, oh, oh, oh. Prépare-toi. Meuf. Me fait découper en mille morceaux.
Non, je décide de mourir. Je rejoins. Non, j'ai décidé de... Oh non, Atreus, il est... Oh non, non, il est si sad. Oh non, ok, d'accord. Waouh, non, elle est horrible. Oh non, elle est affreuse. Bonjour, madame. Dieu. Oh coucou Sharon, ça va? Oh my goodness. Non mais là on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour battre ça. Merci Sharon pour les 14 mois. Merci beaucoup. Non, on n'est pas prêt. Allez, on y va une dernière fois, vite fait. Hop. Des ennemis devant. Comment on fait? Ah oh, purée, je me trompe dans mes touches en fait. Touche, c'est horrible. J'arrive. En fait, il y a une combinaison dont je me souviens plus. C'était, je crois que c'était LT quelque chose. Oh, je sais plus. Ah, oh, je sais plus. J'ai mangé contre ces trucs, mais lorsque j'arrive à un sentiment d'accomplissement de fou. Non, mais on va pas y aller. Reviens, gamin. Reviens, gamin. Voilà, nous, on est juste là pour prendre les trésors. Atreus, avec moi. On se casse. Voilà. Ah. On viendra, on sera plus fort. On viendra plus tard, quand ce sera bon. Oh non, ça prend 1000 ans pour remonter, comment ça se fait? Qui a designé ces ascenseurs? Oh là là, eh. Dis donc. Pardon. Oh, il est 1h45. Oh les gars, mais il va falloir que j'aille dormir là, je vais aller dormir. C'est quoi cet ascenseur là? Mais c'est pas possible. Voilà. Voilà, on s'en va. Au revoir. Au revoir. En plus, faut que je retourne à Midgard là, non? Augmente le nombre maximum de cibles à 5. Débloquer un deuxième coup enchaîné avec RB dans la potion alternative. Changer de potion en marquant une pause après. Euh...
Là, il faut que je choisisse un des deux, c'est ça? Débloquer un troisième coup avec RB2, impossible. Place, au revoir. Alors attendez, boom, compétence. Fallait aussi que j'augmente l'arc. J'ai complètement zappé. Trop bête. Les flèches lumineuses infligent encore plus de dégâts d'étourdissement aux ennemis. Oh, j'avais complètement zappé. Au secours. Salut Hoffman, ouais, il est trop cool. Laissez-moi voir les objectifs. Nous avons atteint... Retourner au lac des Neufs. On va y aller en bateau. Hein. Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant... Nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. Mmh. C'est là que nous trouverons la légendaire lune noire de Jotunheim. Mmh. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas se servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. Right. Vamos. J'en reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. Oh oui, j'avais fait The Last of Us OMG, c'était trop bien. Vois-tu, Odin déteste les géants et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ses bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya, et elle lui a appris une partie de la magie vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte magique. Ah bon? Ah oui. Frère, le burin. Pink. Poink. Quick. C'est pas vrai. Oh, JPP. Bah. Hop wow. Là. J'arrive pas à croire qu'on entre dans le tombeau de Tyr. On va s'arrêter là, les amis, parce qu'il est tard. Purée, le temps passe si vite, c'est trop. Oui, on va s'arrêter là. On va continuer.
Ouais. Aller au tombeau de Tyr, explorer le tombeau. Bref. Oui, I'm gonna leave you here, guys. Merci beaucoup pour tout. Merci pour le stream. C'était trop cool. Merci d'avoir été là pour le Twitch Rivals.